Hey, bonjour à tous, ici Akenet MC, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans cet épisode numéro 16 sur Super Mario 3D World. Chers amis, on va continuer donc notre aventure sur le monde Bowser, cette fois-ci, et pas le monde Château. C'est pour faire le truc avec les étoiles où il faut les rusher, là. Alors on va faire ça, comme ça, ça va nous remplir un petit stock d'étoiles vertes, là. Est-ce qu'on peut avoir Peach? Non, toujours pas de Peach, ça, non. Alors vous avez pu le remarquer aussi que je... Ouh, combien il y en a, là? 10? Ah, très bien, oula. Attendez, peut-être que je vais pas pouvoir parler... Je sais pas comment faire. Voilà. Je l'ai eu. C'est bon, je l'ai eu. Donc vous avez peut-être pu remarquer aussi que je tourne donc cet épisode à la suite. Comme d'habitude, c'est pour ça que donc j'ai pas récupéré toutes les étoiles ainsi que les tampons. Je me dis, je vais faire ça vraiment à la fin du let's play. Hein. Hop, donc là dans la troisième, c'est cool. La quatrième. La cinquième, il en faut encore cinq autres. En fait, ils nous refont faire les niveaux, mais avec des obstacles cette fois-ci. Ah d'accord, c'est chaud. Ils modifient en fait carrément le niveau. Très bien, encore deux. Ah oui, d'accord, ok. Encore une. Wouah, une seconde près, on les a tous tués. C'était chaud là, je pouvais pas du tout parler parce que sinon ça allait foutre la merde. Il y a des chances. Baladado de Badabam. Très bien. Peach, 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 Peach. Mais c'est incroyable. Hein. Ah oui, d'accord, ok, ça rigole pas. D'accord, ok. Je vois le genre. Hein. C'est exactement les mêmes cubes qu'il y a dans Super Mario Sunshine, là, dans le... Secret de course. Okay. Très bien. Donc là, tu vas aller par là. Là, tu vas aller par ici. Par ici. Oh, une étoile! Je l'ai eu. C'est la première. Le tampon, j'essaie aussi de voir. Si je vois le tampon! Oh. Très bien. Allez, un petit power-up, ça fait toujours plaisir. Est-ce qu'on peut avoir la deuxième étoile? Ça serait vraiment le top. Et je ne sais pas du tout où aller. Je ne vois rien. Tout d'un coup, faut être en chat. Ah oui, d'accord, ok. Le tampon! Tu fais comment, mon gars? Tu fais comment pour l'avoir, ce putain de tampon? On l'a eu! On l'a eu! Et tu m'auras pas avec ton marteau à la con. Là, ça glisse. Faut rester dessus. Très bien. Alors, très bien. Je marche dans la lave, moi je suis un fou. On a eu la deuxième, c'est cool. Donc ça veut dire que la troisième est plus loin comme d'habitude. Eh,
croyez pas, mais c'est chaud ces putains de cubes qui se retournent là. Ça fait vraiment penser à Super Mario Sunshine, les secrets de course. Ah non, mais regardez ça. On l'a vu. Par contre, je crois que si je tombe dans la lave avec le truc chance, ça fait quand même fort et le délire. Là, ça glisse, très bien. Tac, 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 tac. Et évidemment, il faudra que je revienne pour faire le drapeau en or. Le drapeau en or. On va faire le premier. Ah oui, c'est le monde A et B. Voilà, donc ça c'est le A et après il y a le B. Attendez, attendez. On va quand même prendre Peach parce que ça rigole pas. Voilà. Globulobos, j'ai pas eu le temps de lire. Évidemment, on est cloné, c'est cool ça. C'est parti, tyrolienne. Il a l'air doré cette fois-ci. Ah oui, il est doré. Il est plus high-tech, je trouve. Là, tu vois, t'as envie de lui arracher la chair pour la revendre. Par contre, vous avez vu, il fait des ondes de choc. Oh, tac, tac, tac. Reviens là, espèce de raclure. Tiens, je t'ai eu. Ok, encore deux coups. Tiens, je vais chercher mon clone, comme ça on est trois. Allez. Un dernier petit coup. Ah, il est un peu plus dur là, j'avoue. J'avoue qu'il est plus compliqué là. Parce que là, il fait des ondes de choc et si on rentre dedans... Voilà. On récupère les pièces. On récupère l'étoile et on taille. Les autres, ils restent. Voilà, ils sont punis. 100 secondes en plus, c'est cool. Hop. Ouf, j'ai flippé, je croyais que l'autre d'en bas allait prendre le drapeau. Ha! Bon voilà, ah bah, c'est parti pour le deuxième boss. On enchaîne. C'est parti. Le retour de l'aéro-chapiteau des Mambaristos. Oh, ok. L'aéro-chapiteau des Mambaristos. Pourquoi pas? Très bien, il nous met une caisse juste avec une pièce dedans. Ça, si c'est pas un troll, mon gars, attendez, parce que j'ai vu quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? Ah, quand même. Bon, bah, c'est parti là. Ah, c'est ça là, avec les espèces de dragons qui sortent du sable là, il me semble. Si c'est ça, ça risque d'être compliqué un peu. Hein. Ah, il faut que j'avance, c'est ça? Ouais, d'accord. Okay. Ah, oui, c'était bien ça. Sauf qu'il est rouge cette fois-ci. Et il fait tomber des bouboules de feu. Ça va faire du vert. Ok, je l'ai raté, pourquoi pas. Tiens. Encore deux coups. Tiens, encore un coup. Olé. Ah non, 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 pas toi. Tiens, voilà.
Allez, donne-moi les pièces. Est-ce qu'on aura le temps de tout récupérer? Ah, elles disparaissent pas apparemment. Ok, donc là on a l'étoile, c'est bon. Très bien, plus les 100 secondes qui ne servent strictement à rien. Mais ça fait des points en plus. Alors... voilà. Ah, c'est de la bombe. Ah, il y a un champi là-bas, vous avez vu? Il est perdu. Il est complètement perdu. Alors, on va essayer de le sauver. On va essayer de le sauver, ce petit champi, parce que j'ai l'impression qu'il pleure. Et il nous appelle. 170 pièces. Très bien. Est-ce qu'on le sauve, ce champi? On va pas perdre de temps avec ça. Tant pis. Très bien, alors, tour infernal de Bowser. Alors déjà, ça sonne très mal. Ça pique. Donc là, on est très clairement dans le boss. Alors là, c'est le boss du boss. Tu vas pas me faire croire qu'il faut qu'on monte tout là-haut, quand même. Avec le chat. Là, regardez, il y a sa voiture qui est pétée. Donc là, apparemment, il a envie de se venger, j'ai l'impression. Il y a toujours 3 étoiles à récupérer, très bien. Donc on va essayer de récupérer ces 3 étoiles ainsi que le tampon. Boule de feu, très bien. Enchanté. Très bien. Ok, alors, je ne vois toujours pas d'étoiles pour l'instant. Est-ce qu'il y aurait un truc du genre? Non, d'accord, ok. Ah, chat. C'est très bien. Est-ce que vous croyez qu'il faut faire tomber les 4? Moi, j'ai l'impression. C'était ça? Ah oui, c'était ça, regardez. Ah, bah du coup, on a une étoile. Alors, est-ce que c'est la première, du coup? J'ai bien envie de voir ça. C'est la deuxième. Eh oui. On peut pas faire le jeu à 100%. Du premier coup, comme ça, c'est pas possible. Alors, est-ce que... ah, très bien, Captain Toad, qu'est-ce qu'il a à me dire? Il parle pas, lui, non, très bien, il parle pas. Par contre, il a l'air content d'être chez Bowser. Ok. On se rapproche de plus en plus de la tour infernale. Donc, vraiment, là, je pense que c'est la fin du jeu. Attends, quand on voit un bâtiment comme ça... enfin, voilà, quoi. C'est... voilà. Regardez ça. Avec la tête de Bowser et tout au centre, une route parfaitement droite. J'ai vu un rayon. Non, très bien, c'est un projecteur. Je pensais que c'était une étoile. Ah oui, d'accord, donc faut qu'on monte tout là-haut. Et ça veut dire que si on se pète la gueule, il faut qu'on recommence tout. C'est ça. Il y a Bowser. Donc, bonjour. Il se transforme en chat, c'est ça? Il va falloir qu'on fasse la course avec lui. Très bien, c'est devenu un chat. Je sais pas du tout comment est-ce qu'il faut le tuer, mais admettons. Très bien, je sais pas du tout, je sais pas, mais alors vraiment pas du tout ce qu'il faut faire. Très bien. Un petit inventaire, c'est cool. Il ne sait pas encore bien manier son chat. Hein.
Très bien. Pour l'instant, tout va très bien. Tu vas me faire croire que c'était juste ça qu'il fallait faire. Ah oui, non, d'accord, ok, c'est pas juste ça. Très bien. Ça aurait été ultra pété qu'il aurait fallu juste faire ça, quoi. Il y en a combien exactement? Il y a des clones là. Très bien, et là je dois faire quoi? Il n'y a pas de checkpoint, hein. J'ai pas eu de checkpoint, j'en ai pas vu. Très bien, alors on monte. Ah, c'est la tour infernale. Hein. Là par contre je crois qu'il faut se dépêcher, c'est ça. Alors on va se dépêcher puisque c'est ce qu'il faut faire. On va se dépêcher. La caméra s'il vous plaît. La caméra. La caméra. Très bien. Et là, c'est la fin du jeu, là. Là, c'est la fin du jeu. Très bien. Ah. Je vous laisse apprécier, donc, la cinématique. Y a pas de cinématique. Ça vient peut-être après. Attendez, regardez. On va se transformer en chat. Attendez. Un tampon. Oh, c'est mignon. Cette fée. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a sauvé donc les 7 fées. C'est de la bombe, mon gars. Stage complete. Ce serait peut-être mieux de marquer jeu terminé, hein, comme ça on en termine. Et voilà. Bon, je sais pas du tout ce qui va se passer maintenant, étant donné que bon, j'ai pas débloqué toutes les étoiles, hein, il y aura pas la fusée qui va apparaître. Générique de fin. Je parie que c'est le générique de fin. Ah, ben voilà. Là, c'est la fin. Ben, disais bien, il y a toujours un générique dans un jeu. Toujours un générique quand on finit. Ah ben écoutez, ben voilà. Ben, c'est bon, on est à la fin du Let's Play. Donc, vous savez maintenant, je peux donc prévenir qu'on quoi... Le let's play sera bien évidemment en pause pendant un certain temps jusqu'à ce que j'ai fini l'autre let's play que j'ai prévu de faire.
Et il reprendra, mais cette fois-ci dans un autre monde qui est complètement différent de celui-là, ce sera dans la Voie Lactée, hein, dans l'espace. En fait, on sera dans l'espace, ce sera devenu un Mario Galaxy 3D World. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ben, c'est parfait. Donc là, on a comme d'habitude, par contre, je trouve que le générique, il est un peu mal fait, dans le sens où le fond est beaucoup trop clair par rapport à l'écriture qui, elle, est blanche. Ça fait un peu, genre, tu peux pas trop lire, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Bon voilà, bah écoutez, sur ce, les amis, j'espère qu'il vous aura plu. Regardez, il y a Bowser qui est enfermé dans sa petite bouteille. Voilà. Et voilà, ça t'apprendra, mon petit Jackie. Comme s'il pouvait pas sortir, juste à pousser les bouchons avec ses mains, là, Mastoc. Et voilà. Ben voilà, bah écoutez les amis, merci à tous d'avoir regardé ce let's play, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un énorme pouce bleu pour ceux qui ont aimé ce let's play, ça me fera vraiment plaisir, il reprendra très bientôt, enfin très bientôt pour l'instant, hein, mais il est en pause, hein, comme d'habitude, en pause, un peu comme Slime Rancher finalement, et puis ça reprendra hein, très clairement pour continuer, voilà. Oh yeah, et on retourne au tout début sauf qu'on est en chat. C'est juste énorme, avec le feu d'artifice et tout. Pour le rêve de la feuille. Ah ouais d'accord, ok. Fin. Ok. Fin. J'ai vu un truc en haut. Nintendo est l'auteur de ce logiciel au regard du droit d'auteur. J'ai pas eu le temps de voir. Le meilleur temps réalisé dans chaque stage sera désormais affiché. Très bien. Des mi-fantômes très rapides pourront désormais apparaître dans les stages. Très bien. Temps, 385 secondes. Et on a aussi un tampon, score. Très bien. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? On a toutes les fées qui sont au premier niveau, apparemment. Ouais. Sauvegarde. Très bien. Et... on est nouveau au menu principal. Bon voilà, c'est parfait. Ah bah écoutez les amis, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce bleu. Et puis, on se donne rendez-vous donc la fois prochaine pour le nouveau Let's Play. Et bien évidemment, Cooking Fever continuera comme d'habitude. Allez, sur ce, merci à tous et à la prochaine. Et rendez-vous très très bientôt dans Super Mario 3D World pour faire la partie bonus. Allez, ciao tout le monde, c'est Tarik Knight. See you next part for the next episode. And hope you have an awesome day and peace out. Yeah.